Oui, ben, je voulais parler de la radio, parce que ma famille qui était depuis Dôme, je me souviens en 1929, c'était mon oncle, le frère de mon père, donc j'étais son mariage. Moi j'avais déjà 8 ans et demi, vous voyez. Et je me souviens qu'à cette époque, ben, c'était les tout débuts de la radio. Alors il y avait un notable de la commune qui avait le premier poste de radio. Là-bas. Alors, il nous avait amené pour le voir. Oh, c'était en deux parties. Mais, les premières émissions, c'était les émissions de la Tour Eiffel. Ça durait une ou 2 heures par jour. On n'a jamais pu rien entendre. Vous voyez, hein, que moi, à l'époque, que dans toute ma jeunesse, la radio n'existait pas. On a eu les premiers postes de radio qu'on commençait à marcher assez bien, que dans les années 30, 36. Notre premier poste de radio, on l'a acheté en 1936. Là, on avait déjà une radio. Ça nasillait un peu, c'était pas encore très très net, mais ça marchait déjà bien. D'ailleurs, on a encore à Boisfeuillard, dans la maison, j'ai encore le poste de radio qu'on avait acheté à l'époque. C'était un Philips. D'ailleurs, c'était un beau meuble, il était magnifique. On l'a gardé parce qu'il fait une belle parure dans la maison. Oui, je me souviens de la radio, hein.